Par ici, John Peter Clark. Je pense qu'on est bientôt en sûreté. Vous n'irez pas plus loin, Gary Wilson. Quoi? Vous m'avez menti pendant tout ce temps? Oui. Fief et anglais, je ne vois pas ce qui me retient de vous. Oh. Vous excuserez le décor et la qualité sonore de cette vidéo, je suis en plein déménagement dans ce qu'on pourrait appeler mon nouveau futur studio. On voit que ça fait un petit peu de dépôt pour l'instant, je vais essayer d'y travailler. Mais revenons-en au sujet principal. Je ne compte plus le nombre de jeux à côté desquels j'ai dû passer, faute d'avoir un nombre de joueurs suffisant, que ce soit des jeux assez anciens comme Battlestar Galactica, ou bien des projets plus récents comme Who Goes There ou bien The Thing. Les jeux qu'on appelle à identité cachée sont bien sûr réservés à des groupes de joueurs assez conséquents. Sachant que si on a un intrus dans un groupe de 2 ou 3, forcément les parties sont assez courtes. Je m'étais donc résolu à faire une croix complètement sur ce genre de jeu, jusqu'à découvrir Mantis Falls, qui a fait une campagne assez discrète cette année. C'est un jeu qui, dans sa version prototype, a déjà été primé 2 fois aux États-Unis. Un jeu donc d'identité cachée pour 2 à 3 joueurs. Dans Mantis Falls, vous incarnez un Kidam qui va être le témoin d'une scène qu'il n'aurait pas dû voir. On imagine que c'est un crime ou quelque chose de ce goût-là. Toujours est-il que vous êtes poursuivi et que vous devez partir le plus vite possible, retrouver votre chauffeur et quitter la ville. Le long de votre chemin, vous allez croiser une autre personne, l'autre joueur, qui vous dira « Hé, moi aussi j'ai tout vu, viens, on va partir ensemble, ce sera plus sûr ». Sauf que vous vous en doutez, une des deux personnes pourrait être un envoyé de la mafia chargé de vous éliminer, mais ce ne sera pas toujours le cas et c'est aussi ce qui fait le sel de ce jeu. Sans plus en dire, je vous invite à découvrir avec moi les règles, sachant que le jeu est encore disponible en précommande, mais je vous préviens tout de suite, il ne sortira, pour l'instant en tout cas, qu'en anglais. C'est parti! Bienvenue donc à Mantis Falls, là où votre destin va se jouer. Il s'agit du mode officiel, et comme à mon habitude, je vais d'abord vous présenter les éléments qui composent le jeu. Au milieu de la table, vous le voyez, nous avons un grand plateau principal sur lequel est étalé le décor du jeu, c'est-à-dire la route que vous allez suivre de votre point de départ à la voiture qui va vous emmener en dehors de la ville, hors de danger. Cette route est composée de plusieurs cartes et en fait, vous allez toujours révéler la carte qui se trouvera devant le personnage qui est le plus loin. Donc là, nos deux personnages sont ici, sur le point de départ, et on voit la carte qui suit, ce qui permet d'anticiper à minima un petit peu les événements qui pourraient vous tomber sur le coin du nez. Sur chaque carte, on va retrouver plusieurs choses. D'abord, sur les feux, il y a des chiffres dans les ronds de couleurs. Et en fait, certaines cartes, événements ou actions vont se référer à ces chiffres. Donc ce sont des valeurs qui, en elles-mêmes, ne représentent pas grand-chose et n'ont de sens qu'en liaison donc avec les cartes que vous piocherez. On peut trouver d'autres icônes sur les cartes. Vous le voyez, nous avons des cabines téléphoniques, symbolisées par ces téléphones. Nous avons des arrêts de bus. On commence ici, par exemple, sur un arrêt de bus. Et il y a également, j'aimerais en trouver une, voilà. Des petites icônes embûches, embuscades. Ça signifie tout simplement que si vous vous arrêtez sur cette carte, quelqu'un va vous mettre un petit taquet et vous allez perdre un point de vie. Ce point de vie-là, il est inévitable, hein, vous le perdrez si vous vous arrêtez sur cette carte. La route se suit en serpentant, c'est-à-dire qu'on... Alors, je les remets comme elle devrait être. On va la suivre comme ceci, on va avancer comme cela, on va remonter, ici on va tourner et on va arriver donc à la voiture, la plupart du temps. Sur la droite, vous avez la carte le deck événement, et ce sont des cartes qu'on va tirer à chaque tour et qui vont tout simplement nous révéler ce qui se passe en fait, hein, toutes les embûches et toutes les péripéties qui vont nous arriver le long de la route. C'est rarement bénéfique, c'est au mieux il ne se passera pas grand chose, et c'est vraiment le moteur du jeu, donc on va y revenir bien sûr bien en profondeur. Un petit peu au-dessus, nous avons le deck d'action, et en fait ça représente les cartes que l'on pioche et que l'on a dans la main, que je vais vous expliquer, donc c'est tout simplement la pioche. Sur la gauche, un deck allié, alors qui pourrait symboliser un petit peu les personnes que vous allez croiser sur votre route, ou les rencontres que vous allez faire. Ces alliés, alors je peux vous en montrer quelques-uns, ils vont vous offrir un bonus souvent passif, et vous voyez qu'il y a une petite icône en haut à gauche de ces cartes, ça signifie qu'il faudra avoir par exemple 2 cartes Mr. Nash pour pouvoir le mettre face visible sur votre zone alliée et profiter de son pouvoir. A chaque fois qu'on vous dit de piocher une carte alliée, vous pouvez librement la choisir dans le deck. L'intérêt donc, c'est d'aller chercher le set complet d'alliés dont vous avez besoin, sachant que bien sûr, votre adversaire peut se rendre compte en piochant lui-même qu'il va manquer une carte, par exemple Mr. Nash, et donc prendre l'autre carte afin de vous empêcher d'avoir la collection complète. Dans ce cas-là, Mr. Nash, vous ne pourrez jamais en profiter. Au-dessus de ce deck, vous avez 2 decks un petit peu particuliers, qui sont les decks d'action Night et les decks d'action Dark. Alors il y a assez peu de cartes dans ce deck, vous voyez ici 3, ici 2. Le principe c'est qu'à un certain moment, quand vous serez sur cette phase de la route, vous choisirez
une carte d'action Knight, et une fois arrivé au bout de la route, vous choisirez une carte d'action Dark. L'idée, c'est qu'elles vont vous proposer différentes actions qui vont être de la plus pacifique à la plus agressive, et donc ça va vous permettre à la fois d'avoir l'outil qu'il faudrait en avançant sur la route pour contrer éventuellement votre adversaire si vous êtes convaincu qu'il est un assassin, ou si vous êtes l'assassin et que vous voulez en terminer, et aussi pour celui qui passera en deuxième, donc qui choisira sa carte après vous, ça permettra de se rendre compte, tout simplement de ce que l'autre joueur a pioché, et donc un petit peu d'avoir une idée de ses plans. Donc ces decks-là, ces cartes-là, on va en piocher plus tard dans le jeu, mais elles sont vraiment essentielles, à la fois pour identifier l'identité réelle de votre adversaire, mais aussi pour avoir des outils, vous, pour vous dépêtrer ou aller accomplir votre mission. Tout en haut, enfin, on a la zone Conserved Energy. Alors cette zone-là, vous pardonnerez mon accent anglais, ça vous permet tout simplement de mettre des cartes de côté. Il y a quelques petites mécaniques qui fonctionnent avec ça, qu'on va expliquer en parlant du tour du jeu. Le principe, donc, c'est simplement de mettre une carte de côté parce qu'elle n'a pas d'utilité pour le moment. Et les cartes qui sont ici sont à disposition de chacun. A savoir donc que l'autre joueur peut très bien aller récupérer la carte que vous avez mis de côté. Passons maintenant à un plateau joueur. Alors c'est assez simple, ça va aller vite. Ici, nous avons un compteur de points de vie. À chaque fois que vous perdez des points de vie, en fait, vous allez prendre des blessures. Hein. C'est à l'inverse, on ne perd pas, on gagne des blessures. Et si on arrive à 9, on n'est pas tout à fait mort, on a le droit au last gasp, c'est-à-dire un petit peu le geste de désespoir, on a le droit à 3. C'est-à-dire que si j'arrive à 9 blessures, je peux encore essayer de me dépêtrer avec les cartes que j'ai pour récupérer 1 ou 2 points de vie, par exemple, et j'augmenterai ce compteur d'un. Sachant que si j'arrive à mon troisième last gap, là par contre, je n'ai plus aucun joker, c'est-à-dire que si je suis encore là et que je passe à 3, c'est terminé, je ne peux plus rien faire du tout, je suis mort de chez mort. À droite, très essentiel, vous avez votre personnage et votre rôle. Alors le personnage, c'est souvent un malus, hein, c'est assez rare dans les jeux, mais dans ce jeu-là, votre type de personnage va plutôt vous donner des malus que des bonus. On voit ici par exemple, bon, celui-ci, j'ai de la chance, l'Urbanite, je n'ai aucun attribut particulier. Souvent, on va avoir des malus de type, alors le dernier que j'ai eu, c'était pendant les last gap, on ne peut pas se soigner avec les trousses de médecins, donc c'est vraiment pas terrible, hein, c'est sûrement pas des pouvoirs qui vont vous aider dans le jeu, c'est plutôt une tare en plus. Donc, être Urbanite, c'est plutôt pas mal du tout. Et le rôle, évidemment, c'est essentiel, puisque là, je vois que je suis un témoin. Ça va me donner, finalement, mon but du jeu. Le but du jeu pour le témoin, ça va être de s'échapper en vie. Alors voyons ce qu'est mon adversaire dans ce cas précis. Il est assassin. Donc, son but à lui, ce sera de m'éliminer, avant, bien sûr, que je ne puisse partir. On revient au niveau de ma zone de joueur pour vous parler des zones qui encadrent donc les cartes que je viens de vous montrer. Ici, Conditions, alors ça pourrait se traduire en anglais par maladie ou affliction. Dans ce jeu, c'est un petit peu plus large, c'est-à-dire que toutes les cartes qui sont persistantes vont être des conditions, c'est-à-dire que si vous trouvez un pistolet par exemple, vous allez jouer le pistolet et il va aller dans vos conditions, c'est-à-dire qu'il est dans votre zone, il est utilisable à loisir et il n'est jamais défaussé. Les alliés, donc on en a un petit peu parlé, la zone alliée, quand vous allez piocher, par exemple, allez, vous allez choisir une carte, disons que je l'ai choisie, j'ai choisi Miss Cardello, comme je n'en ai qu'une sur les 3 qui sont nécessaires, on le voit ici en haut à gauche, hein, je vais la mettre face cachée, je pourrais éventuellement la défausser pour obtenir certains pouvoirs, par contre, si j'obtiens les 3 cartes Miss Cardello pendant mon périple, je vais la retourner en disant, voilà, maintenant, je bénéficie de ce passif, et jusqu'à ce que je choisisse de me défausser ou que mon adversaire utilise un pouvoir pour que je me débarrasse de cette Miss Cardello. En bas, enfin, nous avons l'Action Play, et en fait, c'est la rivière sur laquelle vous allez vouer votre adversaire sur le sien. Allez jouer vos actions, vos cartes d'action qui seront révélées l'une après l'autre alternativement, on va le voir. Ça permet de renforcer le côté bluff et le côté suspense, on va le voir pendant le tour. Je vais maintenant vous présenter un petit peu la typologie des cartes qu'on a à notre disposition, puisqu'il est important de bien les comprendre et de comprendre comment elles fonctionnent. Tout d'abord les cartes actions, donc le deck que l'on pioche ici, éventuellement ici et ici, quand on passe sur la zone Knight et la zone Dark. Ces cartes-là, elles ont toutes, je vais en sortir quelques-unes pour pouvoir zoomer dessus, elles ont toutes des caractéristiques, et la première importante, c'est qu'en haut à gauche, il y a un symbole, une icône. Pendant mon tour, quand je vais jouer mes cartes face cachée, je ne pourrais jouer, sauf exception, parce que des cartes me permettent de changer cette règle, mais dans la majorité des cas, je ne pourrais jouer que les cartes qui portent la même icône. Ici, par exemple, je ne pourrais jouer que celle-ci et celle-ci, mais
On voit qu'ici on a l'icône Lilac, donc je ne pourrai jamais jouer Contention avec Strength in Numbers. C'est la première chose à retenir puisqu'il y a plusieurs cartes du même type, par exemple des Strength in Numbers, il y en a d'un petit peu toutes les icônes. Donc parfois il peut être intéressant d'essayer de se défausser de cartes qui ont des symboles différents, histoire de faire des beaux combos. Sinon vous êtes condamné finalement à jouer une carte par tour, puisque si vous avez trop de symboles différents. Ces cartes elles ont toujours un titre, en tout cas oui, toujours un titre je pense, sauf exception que j'aurais ignoré, dont il faut se méfier en fait, puisque ici c'est écrit infliger 4 blessures, mais ce n'est pas le pouvoir de la carte, c'est plutôt un résumé. Le pouvoir de la carte est vraiment expliqué en dessous, c'est-à-dire que là, il faut qu'un autre joueur ait joué un Strength in Numbers pour pouvoir effectivement infliger 4 blessures. Mais globalement, voilà, l'action de la carte est écrite en dessous. S'il y a un sometimes, ça veut dire qu'il y a une condition, ici une condition pour être jouée et non pas une condition. Ici, on voit que 1 et 2, ce sont des. Si je joue cette carte, ces deux événements vont se produire quoi qu'il arrive. Et on voit qu'ici, cette carte, c'est une condition en anglais, c'est-à-dire qu'il est écrit que moi ou l'autre joueur prend 2 blessures et garde cette carte comme une condition et pourra l'utiliser plus tard, donc pour se prémunir de certains dégâts. Voilà, donc sa tour, je vous l'ai dit, on joue des cartes face cachée, uniquement celles qui ont le même symbole. Ça conditionne donc un petit peu les actions que vous pouvez faire simultanément, et ça c'est intéressant parce que ça vous empêche souvent de faire vraiment complètement en une fois ce que vous voudriez faire. Et une carte un petit peu spéciale ici à gauche, mais j'en parlerai après, puisque ça fait partie des spécificités du jeu, et elle se rapproche plutôt des cartes spéciales qui se piochent ici. Cette carte-là, elle est la même pour tout le monde, et elle est piochée au début de la partie. On va maintenant s'intéresser aux cartes événements qui sont tirées à chaque tour et qui donc vont rythmer la partie, ponctuer le tour en vous racontant une histoire. Le gros intérêt qui fait que Mantis Falls ça marche à deux alors que c'est un jeu d'identité cachée, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. La plupart des... enfin certains événements vont être ici seen, c'est-à-dire visibles. Quand je pioche un événement seen pendant mon tour, je le pose sur la table et je dis voilà ce qui se passe pour nous aujourd'hui, toi et moi, et éventuellement toi l'autre là-bas si vous jouez à 3. L'effet, on reçoit 2 blessures. Donc you, c'est toujours la personne bien sûr qui pioche la carte. Il y a éventuellement un bonus. Donc ça, voilà, c'est une carte seen, vous la posez, vous la résolvez. Certaines vont vous donner des choix, ça pourrait être par exemple 2 blessures réparties à votre convenance. Vous pouvez donc discuter avec les autres joueurs de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez les répartir. Vous avez également des cartes unseen, et c'est là que c'est très intéressant. Les unseen, ce sont des cartes, donc vous allez piocher, de toute façon, la carte événement, vous la piochez toujours dans votre main, face cachée d'abord. Si elle est unseen, elle reste dans votre main, c'est-à-dire que jamais, à aucun moment, vous ne pourrez la montrer à l'adversaire. Vous pourrez dire ce qui se passe, mentir sur ce qui se passe, mais il ne pourra pas la voir. Et là, c'est vraiment chouette. Alors sur celle-ci, vous voyez, c'est la carte de bluff ultime, il ne se passe rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La seule condition, c'est qu'au moment de résoudre cette carte, vous ne pouvez pas inventer des effets. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, je peux dire « Ah, on est attaqué, il faut absolument que tu places 3 cartes, que tu jettes des cartes, tout ce que vous voulez, d'accord. » Mais au moment où on résout cette carte, l'effet, c'est rien. Je ne peux pas dire « Ah, t'as pris 2 blessures. » C'est impossible. Par contre, donc, quand elle serait résolue, je la mettrai bien sûr face cachée, puisque à aucun moment, le joueur ne pourra savoir ce qui s'est vraiment passé. Il ne pourra que se fier à ce que je lui ai dit. Et il saura, par contre, donc, que les effets n'ont pas été inventés. Mais il y a une petite subtilité à ça, parce qu'imaginez, alors j'en sors 2, parce que je les avais préparés, mais je les ai préparés à l'envers, évidemment. Voilà, à la base, c'est ça que je voulais vous montrer en premier. Les oppositions, vous en aurez souvent. En fait, ce sont tous les sbires que vous allez croiser et qui vont essayer de vous empêcher de vous échapper, puisque ils savent que vous savez. Donc une opposition, elle a des points de vie, donc soit fixe comme ici 4, soit selon certains paramètres, et il va vous falloir, vous et vos alliés, vous en débarrasser. Donc si on imagine que j'ai cette carte-là, la carte Sin, je la pose, je dis voilà, on a un type en face de nous, qui a un nombre de points de vie équivalent au nombre de conditions qu'on a, et si on n'arrive pas à la battre, on va récupérer des blessures, 4 réparties comme vous voulez, par celui qui a pioché. Et puis on se débrouille, on essaye de se dépatouiller. Est-ce qu'on peut pas s'en débarrasser, que donc on choisit de les répartir au mieux, est-ce qu'on arrive à lui casser la figure, etc., etc. Par contre, là, je prends ma carte, je dis tiens, quelqu'un veut nous casser la figure. L'autre, il sait pas ce que j'ai dans la main, donc il est obligé de nous faire confiance là-dessus. Et mieux encore, si on n'arrive pas à l'abattre, donc il a 4 de vie hein, par exemple, donc je dis bon, il a 4 de vie, si on n'arrive pas à s'en débarrasser, on va prendre des blessures. Donc là, c'est écrit « You're yellow », c'est-à-dire que si je suis ici, « yellow », c'est 3, tout simplement. Je vous ai dit que ces numéros-là renvoyaient à être utilisés par certaines cartes. Donc voilà, imaginons que je sois là. Je dis « Voilà, il y a quelqu'un qui vient nous casser la figure. » L'autre dit « D'accord, bah, moi, j'ai pas d'arme. » Bon, on n'a pas d'arme, dommage. Donc du coup, on peut pas le battre. On va récupérer 3 blessures. Mon jaune.
c'est bien écrit, réparti entre les joueurs comme vous le choisissez. Mais ça, je suis pas obligé de lui dire. Je peux très bien lui dire, ah bah mince, ah, du coup, si on n'arrive pas à le battre, tu prends 3 blessures. Et il y a des cartes hein, qui vraiment disent infliger des blessures à l'adversaire, donc c'est pas déconnant quelque part. Donc si vous dites ça, vous prenez pas de blessures, l'autre en prend 3 dans la figure, il n'y a aucun moyen, à part certaines cartes, certaines conditions, de vérifier que ce que vous dites est vrai en fait. Et vous allez vite comprendre que c'est à double tranchant, parce que d'une part, alors ça vous permet, si vous êtes assassin bien sûr, d'aller faire des dégâts à l'adversaire et puis de l'éliminer en disant bah on n'a pas le choix, dommage, on prend des blessures. Mais là où c'est vicieux, c'est que si vous êtes un témoin, et que l'autre joueur est un témoin aussi, bah de toute façon, les blessures, vous n'avez pas le choix que de les répartir. Alors vous pouvez en prendre plus pour vous, bien sûr, mais à un moment, il ne faut pas que vous mouriez, surtout que vous n'avez pas la certitude que l'autre est un témoin également. Donc vous allez essayer peut-être au début de les répartir équitablement, mais plus vous allez avancer sur la route, vous allez voir que des dégâts, on en prend plein, on n'a pas toujours le choix. Donc c'est de plus en plus tendu, en fait, plus le temps avance, plus vous dites, bon là, si l'adversaire est l'assassin, là c'est maintenant qu'il va frapper, en fait, il faut que je me prémunisse, sans savoir jamais si c'est vraiment un assassin. Donc en fait, voilà, ces cartes cachées-là, elles vous donnent une latitude en termes de bluff qui est surprenante, sachant que certaines cartes vous disent juste, il ne se passe rien, et dans ce cas-là, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous pouvez les faire se défausser, en mode, ah, c'est un ennemi qui a, je sais pas, 6 points de vie, et puis l'adversaire se débarrasse de toutes ses armes, et comme ça vous êtes tranquille après pour aller lui mettre un taquet, parce que vous savez qu'il n'a plus rien pour se défendre, par exemple. Ça vous donne une super latitude, mais c'est aussi un danger, parce que si vous êtes de bonne foi, si vous êtes un témoin et que vous voulez juste légitimement vous en sortir, parfois la carte événement ici, bah, elle va vous dire, voilà, infliger 2 dégâts à votre adversaire. Et la carte étonne si vous ne pouvez pas la montrer en disant que si, je t'assure, c'est bien ça, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi, tu prends 2 dégâts. Ça, c'est le sel du jeu, ça, c'est tout simplement le mécanique qui fait que ça marche. Les cartes alliées, j'avais prévu de revenir dessus, mais finalement, bon, je les ai assez montrées. Il y en a pas mal, je peux vous... Alors en plus, c'est un mode, hein, donc c'est pas définitif, j'imagine qu'il n'y a pas toutes les cartes. Vous voyez que celle-ci, il en faudrait 4, hein, donc il faut... Souvent, ce sont les cabines téléphoniques, des cartes qui sont liées aux cabines téléphoniques qui vous permettent d'appeler finalement des alliés. Ben là, il faudra piocher 4 cartes Miss Arrieta pour pouvoir profiter de son pouvoir, sachant, je vous le rappelle, que si l'adversaire est mal intentionné et commence à se rendre compte quand lui doit piocher qu'il manque des Miss Arrieta, ben, il suffit qu'il en prenne une, hein, et vous ne pourrez jamais en profiter puisqu'il faut avoir l'intégralité, hein, les 4 cartes, pour pouvoir utiliser un allié. Les cartes Dark et Knight, je vais les montrer quand même, pour que vous compreniez bien en quoi c'est intéressant, surtout les Knights en fait. Pour moi, c'est le pivot du jeu quand quelqu'un passe ici. Vous en avez 3. Une, c'est blesser mortellement l'autre joueur. Ça veut dire que tout simplement, si vous effectuez cette action-là, il va se retrouver en situation de last gap, et donc il faut qu'il se débrouille pour se sauver. Sachant que quoi qu'il arrive, une fois que vous faites ça, bon bah l'âge de guerre, elle est déterrée, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment chacun pour soi, donc faut être sûr de soi quand même. Vous avez le carbomb qui est assez rigolo, puisque finalement, c'est en arrivant à la fin de la route, vous infligez des dégâts à vous-même ainsi qu'à l'adversaire. Donc il y a un côté perdu pour perdu, c'est-à-dire que cette carte-là, vous pouvez la jouer comme un va-tout si vous sentez que de toute façon... l'adversaire est l'assassin et que vous êtes foutu, bon, vous ne gagnerez pas, mais lui non plus. Et la dernière, elle est différente, puisqu'elle vous dit que si vous êtes uniquement vraiment un témoin et non pas l'assassin, là, vous pouvez blesser mortellement l'adversaire. Ces cartes-là, elles changent. Hein. Il n'y en a que 3 ici au bout de la route, mais ce ne sont pas toujours les mêmes, et certaines sont plus neutres. Certaines vont permettre simplement d'éviter une embûche en avançant sur la route ou d'avancer un petit peu plus vite. Mais quand moi... Donc, si mon adversaire passe devant, il va prendre une carte. Si moi, je passe derrière... Si je me rends compte que il n'y a que des cartes qui sont plutôt pacifiques, si la carte qui dit « éviter une embûche », elle n'a pas été prise, je me dis « tiens, c'est sûrement qu'il a pris quelque chose pour me faire du mal, donc je vais me méfier ». Ou je vais me dire que lui se méfie, si tout simplement il n'a pas confiance en moi. Et vous comprenez très vite à quel point on peut se faire des nœuds au cerveau, surtout que vraiment, je vous assure qu'à force d'avancer des points en bush comme ça, bah, on en prend pas mal, des cartes de soins, il n'y en a pas tant que ça, les events aussi font beaucoup de blessures. Donc à la fin, là, quand on est au dark tous les deux, on se regarde dans le banc des yeux en disant « Non, vas-y, passe devant, vas-y, après toi. » Et c'est vraiment génial, c'est vraiment absolument génial. On va parler maintenant d'un tour de jeu, histoire que vous compreniez bien, de quoi il est question, et que vous compreniez mieux pourquoi je suis aussi euphorique quand je vous parle de ce jeu. Je vous rappelle donc qu'il y a 2 cas de figure. Soit, comme on l'a ici, nous avons un assassin, et un témoin, bien sûr, ces cartes-là sont cachées et ne doivent jamais être révélées, évidemment. Dans ce cas-là, le but de l'assassin, ça va être tout simplement d'éliminer le témoin. Le témoin, quant à lui, doit arriver au bout et s'échapper. Par contre, si le témoin est au bout, la partie n'est pas terminée. Pour que la partie se termine, il faut que les 2 joueurs soient ici. Donc si c'est l'assassin, lui va essayer de temporiser un maximum pour faire des dégâts,
pour infliger des blessures bien sûr au témoin, et le témoin 6 se rend compte que la personne derrière, bah, elle fait rien pour avancer, elle reste sur place. Dans ce cas-là, le témoin va comprendre que derrière lui c'est un assassin, puisque la personne ne se dépêche pas pour le rejoindre, et dans ce cas-là, c'est au témoin de riposter avec les cartes qu'il a, même s'il est ici qu'il n'avance plus, de riposter et d'essayer de se débarrasser de son adversaire. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça peut être le plus drôle selon le caractère que vous avez et celui du joueur qui joue avec vous, c'est si on a deux témoins. Dans ce cas-là, bah, le but, c'est tout simplement que les deux arrivent ici en vie. Mais là, comme vous l'avez vu, avec toutes les cartes qui sont unseen, qu'on ne montre pas, il y a plein de moments, surtout à la fin où vous n'aurez plus trop de points de vie, où vous allez vous dire, est-ce que vraiment je peux lui faire confiance? Est-ce que vraiment on va s'en sortir tous les deux? Et est-ce que je préférerais pas frapper en premier que de me faire surprendre? Sachant que, attention, si vous tuez un autre témoin, ou tout simplement s'il meurt, peu importe, que ce soit de votre fait ou pas, la partie est perdue. S'il y a deux témoins, ils doivent impérativement tous les deux partir en vie. Vous ne pouvez pas gagner en partant seul. Donc vous ne pouvez pas, de manière préventive, aller vous en prendre à l'autre en vous disant « Au cas où ce serait l'assassin, je préfère le tuer tout de suite. » Non, c'est pas possible. Vous aurez toujours le doute de savoir s'il est vraiment témoin aussi. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le toucher. Si vous le tuez, c'est perdu. Alors, je range ma mise ici dans le deck allié, qu'on ne mélange pas, puisque de toute façon, hein, je vous l'ai dit, on choisit les cartes à chaque fois. La première chose que je peux faire pendant mon tour, je vais me remettre ici, c'est d'avancer ou pas. Alors pourquoi ou pas? Ici, bien sûr, j'ai toutes les raisons d'avancer, donc j'avance, je révèle la carte devant moi. Mais je ne sais pas, imaginons que je suis ici, je vois que devant, bah, j'ai une carte en bûche, donc je vais prendre un point de dégâts si je m'arrête ici. Je vais peut-être préférer ne pas avancer, et puis utiliser une carte action après pour me déplacer de deux cases, ça m'évite de prendre un dégât. De la même manière, si je suis l'assassin, je ne vais peut-être pas vouloir aller trop vite au bout, surtout si mon adversaire y est déjà, je préférerais temporiser pour essayer de lui mettre des dégâts, parce que si j'arrive au bout avec lui, même si je suis l'assassin, bah c'est tout, ça veut dire qu'on a réussi, en tout cas il a réussi à partir, et la partie est perdue. Je remets tout ça en place. La deuxième chose que je vais faire, c'est piocher une carte événement. Alors là par contre je n'ai rien préparé, donc je la prends au hasard, on va voir ce que ça donne. Unseen, donc cette carte là que j'ai piochée, je ne la montre pas à mon adversaire et je peux lui raconter absolument ce que je veux. Là on voit que dans la... Alors imaginons que j'ai avancé quand même, parce que la logique au début c'est d'essayer d'avancer. Voilà, donc là, mon adversaire, je vais dire, voilà, il y a quelqu'un qui veut nous frapper. Ses points de vie, si je veux être honnête, je lui dis c'est 3, donc yellow number, mon yellow ici, il est à 3. Mais je peux lui dire un petit peu ce que je veux, si je veux l'inciter, si je sais qu'il a beaucoup de cartes de dégâts. Parce qu'à la fin, quand on va résoudre la carte, même s'il la montre pas, je pourrais pas mentir. Mais si je sais qu'il a une grosse carte de dégâts et que j'ai peur qu'il la retourne contre moi, je peux lui dire, bon voilà, il a 5 points de vie. Comme ça, ça oblige un petit peu l'autre joueur à utiliser son arme. Et puis comme ça, je sais qu'il l'a plus. Mais bon, voilà, si je suis honnête, je lui dis, voilà, il a 3 points de vie. Et si on s'en débarrasse pas, eh ben, on va recevoir des blessures. Entre 1 et 3, vous voyez ici, divisé entre les deux joueurs comme vous le souhaitez. Donc c'est hyper intéressant en fait, parce que là je peux mettre 3 points de vie à l'adversaire, au pire si je suis pas sûr de moi, j'y allais, on prend un dégât chacun, tout est possible. Et il y a aussi donc un bonus si j'arrive à battre cet adversaire, qui va être de soigner des blessures à hauteur de mon chiffre vert, donc de 2. Encore une fois aussi réparti comme je veux, donc je peux dire, ah bah tiens, on l'a battu, donc je récupère des points de vie. Il peut pas vérifier de toute façon, tant que ce que j'applique est conforme à la carte, je peux dire tout ce que je veux. Voilà, donc ça... C'est fait, la carte elle est piochée, elle est expliquée, on ne la résout pas tout de suite. C'est maintenant que chaque joueur va jouer des actions en conséquence. Donc je regarde mes cartes et je me dis, tiens, est-ce que moi j'ai quelque chose par exemple pour me débarrasser de l'adversaire? Donc on sait que cette carte là, elle inflige 4 dégâts uniquement si l'autre joueur en joue une aussi. Donc je peux lui dire, tiens, est-ce que tu as cette carte là? Il va me dire oui, il va me dire non. Au début on n'a aucune raison de mentir, parce que si je me rends compte dès le début qu'il y a une mauvaise foi, bon bah c'est parti, c'est la guerre et bien sûr le jeu est moins intéressant. Voilà, il va me dire oui, par exemple, je dis bon, bah, je vais essayer de jouer mon Strength in Numbers, et si t'en mets un aussi, on va pouvoir se débarrasser de cette opposition. Alors, le symbole, c'est un royal. Est-ce que j'ai autre chose en royal? J'ai le puits, et le puits qui me permet de prévenir des blessures, sachant qu'il faut que je prenne des blessures pour pouvoir m'en équiper. Ça peut être intéressant au début de partie, parce qu'on a des points de vie, donc voilà. Alors, bien sûr, oui, hein, je les mets face cachée, je rappelle. Alors, royal, il me reste celle-là. Ça me permet de distribuer les 5 cartes du haut du deck d'action. Ah non, de les mettre dans la défausse. Et ensuite de prendre une carte. Vous pourrez le faire, peu importe. De toute façon, je ne vais pas vraiment jouer des tours pour ne pas alourdir cette vidéo. Je vous montre juste. Et mon adversaire, voilà, bon, il va faire... Ah. Il va aller jouer face cachée lui aussi. Et c'est seulement quand on a fini tous les deux de placer les cartes qu'on va les révéler chacun à son tour. Donc le joueur dont c'est le tour révèle la première. Ensuite l'autre joueur, ensuite celui-ci,
Voilà, donc créer un suspense permanent. Et on applique évidemment chaque carte une par une avant de passer à la suivante pour voir tout simplement ce qui se passe. Donc vous comprenez bien que dans certains cas, imaginons que j'ai pas tout à fait confiance dans l'adversaire, que peut-être en préventif j'aimerais lui tirer dessus en me disant je sais, je suis certain que ce tour-ci va essayer de me tuer, ouais, mais le problème c'est que s'il essaie pas de vous tuer, bah, c'est trop tard, vos cartes sont posées, donc vous allez les révéler et vous allez infliger des blessures à quelqu'un qui ne vous voulait que du bien. Et là vous ne pouvez plus, une fois qu'elles sont posées face cachée, une fois qu'on commence à les révéler, vous ne pouvez plus y toucher. L'autre possibilité, je ne sais pas, imaginons que moi cette opposition, je puisse très bien m'en débarrasser tout seul, on est au début de la partie, je suis honnête, je dis t'inquiète pas, moi cette carte-là... Cette opposition-là, je peux m'en débarrasser, t'as pas besoin, j'ai une grosse arme, je la place, très bien. Ah, petit problème. Oh, intéressant. Intéressant ce que je viens de faire. Mes cartes en privy, reste là. Mes cartes en privy, est-ce que je peux les remettre dans le deck? Oui, je peux. Je savais même pas que ce que je viens de faire était possible. Hein. On est dans la cinquième dimension. Donc, ce que peut faire mon adversaire, c'est aussi économiser une carte. Donc, il va la poser ici, face visible, en disant ça, moi j'en ai pas besoin pour l'instant. Et puis, peut-être qu'un jour, ce sera utile. Alors souvent, c'est quelque chose qu'on va faire par rapport aux balles, parce qu'on va trouver des balles, mais parfois, on n'a pas de pistolet. Et ça encombre la main, puisque bien sûr, ça nous empêche de repiocher des cartes. Donc on va dire, tiens, les balles, on les met là, sur l'énergie conservée. Et puis quand quelqu'un aura un pistolet, on pourra récupérer les balles et puis s'en servir. Si on veut rien faire de tout ça, on peut aussi défausser jusqu'à deux cartes. On a des cartes qui parfois ne vont pas coller à nos plans. Pas d'exemple précis là, mais j'avais une carte la dernière fois qui me permettait de remélanger toute ma main. Et moi, ma main me plaisait très bien, donc on peut aussi s'en débarrasser. Donc on la met tout simplement dans la défausse. Et puis c'est tout, donc jusqu'à deux cartes. Attention, je vous rappelle, hein, ces actions-là, c'est l'un ou l'autre. Soit on joue des cartes actions ici, soit on économise une carte, soit on défausse jusqu'à deux cartes, et soit on ne fait rien. Ce sont les quatre actions possibles. Une fois que ces actions ont été faites, que les cartes éventuellement jouées par l'un, l'autre ou les deux ont été révélées, là, on va réaliser l'action. Si elle est unseen, elle reste cachée, mais souvenez-vous que si vous êtes le joueur qui l'a pioché, vous n'avez pas le droit de mentir sur les effets. Donc là, c'était si elle n'était pas battue, infliger 3 points de dégâts. Non, c'était 1 à 3. Vous êtes obligé d'infliger 1 à 3. Vous ne pouvez pas en infliger 8. Vous ne pouvez pas obliger l'autre à se défausser. Vous devez suivre la carte. Mais souvent, quand elle a une signe, elle vous donne un choix un petit peu sur ce que vous allez faire. Et ça, vous l'illustrez comme vous voulez en disant j'ai pas le choix, en disant ceci, cela. T'as pas mis assez de cartes dégâts, du coup, tu prends des dégâts, peu importe. Tant que vous suivez ce qui est écrit. Une fois l'événement réalisé, la dernière phase, c'est de repiocher des cartes pour revenir à 7. En comptant le Collinéite, donc là on voit par exemple qu'il me faudrait piocher 4 cartes. Ça explique hein, l'intérêt de... Oui, alors évidemment pas des cartes pas des cartes événements, des cartes actions, ce serait mieux. Ça explique donc l'intérêt de défausser, ça explique l'intérêt de mettre de côté. Vous voyez ici j'ai une balle, la balle si j'ai pas d'arme, elle sert à rien du tout. Hein. Donc c'est une carte que je pourrais mettre de côté pour piocher autre chose en attendant. Vous commencez à avoir une bonne idée de comment ça se joue et pourquoi c'est vraiment trop bien. Je vais quand même parler de certaines petites spécificités du jeu qui rendent le jeu encore plus piquant. D'abord, un petit truc assez sympa. Ici, on peut stocker, je vous l'ai dit, des balles, par exemple. Imaginons que... Bon, je mets n'importe quoi, mais imaginons que moi, de bonne foi, je dise... Bon, je mets ces cartes-là pour plus tard. Mon adversaire, lui, c'est l'assassin. Il est déjà un petit peu loin. Je fais n'importe quoi. Il est déjà un petit peu loin, mais il a plus trop de vie. Vous pouvez, à tout moment, quand c'est votre tour, défausser l'intégralité de ces cartes pour soit avancer d'une case de plus, soit vous soigner d'un point de vie. Alors là, forcément, ça peut être vu donc soit comme une mesure d'urgence qui va être faite dans la concertation, soit comme une déclaration de guerre. Puisque ça peut être, allez, j'avance d'un de plus pour m'en sortir, pour arriver ici, si j'étais ici, vous voyez, ou je me soigne d'un point de vie très égoïstement. Alors encore une fois, ça peut être concerté, mais ça peut être aussi le petit côté, si je mets toutes mes bonnes cartes ici dans la réserve, est-ce que mon adversaire, s'il est l'assassin, à un moment, il va pas se décider juste à les défausser pour son profit, et le temps que je m'en rends compte, il sera trop tard. Tout ça, c'est marrant. Sinon, je ne l'ai pas dit, ces cartes économisées-là, à chaque fois que le jeu vous dit ou vous autorise à piocher, vous pouvez choisir à la place de prendre une carte ici, à la place d'une carte ici, à tout moment, dès que vous avez l'occasion de piocher. Voilà, ça, c'est le petit truc en plus. On va parler vite fait des last gaps. Je vais défausser ces cartes-là, par exemple. Alors, je ne sais pas si j'aurai trop les bonnes cartes pour vous expliquer exactement en quoi c'est intéressant. Déjà, j'en ai pas beaucoup des cartes, donc on va repiocher quelques-unes. Alors, la physique est très rebelle ce matin. On va repiocher donc 3 cartes. Action cette fois. Ah bah voilà, très bien. Ok. Donc imaginons que quoi qu'il arrive, j'ai pris plein de points de vie. On est un petit peu plus loin. On va dérouler le jeu. Hein. Voilà, on en est là. Lui, il est là. Moi, je suis derrière. Et j'étais déjà au taquet. Et malheureusement, avec la carte rencontre, la carte événement, je suis arrivé à 9 points de vie. Là, j'avance mon last gap de 1 et le jeu s'arrête.
Et le joueur qui arrive en last gap, que ce soit son tour ou pas, ça n'a aucune importance, ce joueur-là, qui arrive à 9 dégâts, il a le droit de jouer une série d'actions en plus, gratuite. La seule règle à respecter, c'est celle des symboles, c'est-à-dire que là, en haut à gauche, on est du royal. Si je joue un royal, je ne peux jouer que du royal. Et pendant cette série d'actions, on a deux vrais choix, enfin un surtout, c'est d'essayer de poser quelque chose comme ça. Médecine, soigner un dégât. Dans ce cas-là, je reviens à 8, le last gap s'arrête, le tour reprend où il en était. Comme si de rien n'était finalement, mon dernier souffle, ma dernière impulsion m'a permis de me sauver. Ou si vraiment c'est cuit, je peux essayer aussi de poser des cartes qui feraient des dégâts à l'autre, histoire de ne pas mourir tout seul. Donc là on est sur le pat hein, aux échecs, c'est-à-dire le fait de ne pas gagner, mais de ne pas perdre tout seul non plus. Mais dans ce cas-là, bien sûr, hein, si je n'arrive pas à revenir en dessous de 9 dégâts, la partie est terminée puisque je suis mort. Donc c'est là où on va révéler les identités, voir qui est-ce que l'autre est mort aussi, et du coup qui gagne ou qui perd. Donc si je suis mort et qu'on était tous les deux des témoins, par exemple, on a perdu tous les deux parce qu'on ne s'est pas fait confiance. Ça, c'est le principe du last gap. Ça peut même aller assez vite puisque finalement, avec mon last gap, je peux essayer de me soigner et en plus de faire des dégâts à l'adversaire parce que je le sens pas. Lui peut se retrouver en position de devoir passer également en last gap et ça peut du coup jongler, aller très très vite, arriver très vite au troisième last gap où finalement on n'a plus de cartes, de toute façon on ne peut plus te sauver et quelqu'un va mourir. Même parfois, quand on est main dans la main, peut y avoir il y a des cartes qui vous permettent de vous soigner au prix d'infliger des blessures à l'autre. Donc on est dans du calculatoire. Si on est vraiment de bonne foi et qu'on veut se sauver tous les deux, en mode bon, est-ce que tu peux prendre un point de vie de plus pour essayer de moi me soigner et on essaye de s'en sortir avec, souvent avec peu de vie, mais essayer de s'en sortir ensemble. L'arrivée au bout de la route, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça ne déclenche pas la fin de la partie puisqu'il faut que les deux y soient ou qu'un des deux personnages meure. Par contre, quand vous arrivez au bout de la route, c'est là que vous choisissez votre carte d'arc. Et ces cartes-là sont souvent très très fortes. D'où l'intérêt d'arriver le premier en fait, même si vous êtes assassin, puisque le fait d'arriver ensuite, d'arriver en premier ne vous empêchera pas de jouer par la suite, juste vous ne bougerez plus, mais vous continuerez à tirer une carte événement qui comptera pour les deux, vous continuerez à piocher, vous continuerez à faire vos actions tout à fait normalement. Là qu'est-ce qu'on propose par exemple? Alors celle-ci elle n'est pas très intéressante puisqu'elle permet d'avancer et d'ignorer les effets finalement, les dégâts par exemple les embûches qu'on pourrait prendre en étant sur une case. Moi je suis au bout, ça n'a plus aucun intérêt, et celle-ci permet de se soigner. Et même quand on est au bout et qu'on n'avance plus, on peut ramasser des dégâts si celui qui est derrière nous est l'assassin. Donc comme je suis arrivé en premier, c'est moi qui prends ma carte, je vais prendre celle-là, et puis je vais en profiter, quoi, tout simplement. C'est ici qu'on va retrouver assez régulièrement des cartes assez mortelles, du genre tout simplement tuer l'adversaire. Mais c'est le hasard, vous voyez là par exemple on n'a rien qui fasse des dégâts. Si je suis assassin et que j'arrive premier, bah, je suis bien déçu parce que finalement les cartes au bout ne me permettent pas d'accomplir mes plans. Et donc j'ai plus qu'à maintenant à essayer de tuer mon témoin le plus vite possible avant que lui qui doit galoper derrière ne me rattrape, arrive au bout et gagne la partie puisqu'il aurait réussi à s'enfuir. On en vient au dernier point qui est le Call in a Hit. Alors ça c'est le vrai joker du jeu, c'est une carte que vous aurez dans votre main dès le début qui est invariable. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'utiliser les cabines téléphoniques. Ce n'est pas la seule, il y a pas mal de cartes actions qui permettent d'utiliser des cabines, mais souvent, les cartes actions, je montre tout le temps les cartes event, je ne sais pas pourquoi, les cartes actions, elles permettent d'utiliser les cabines pour piocher des alliés. C'est la mécanique la plus courante. Celle-ci, si vous êtes à une case, une carte, on va dire, hein, d'une cabine téléphonique, c'est-à-dire par exemple là, d'ici à ici, puisqu'on a deux cabines à coller, on peut soit infliger 6 dégâts à une opposition, c'est-à-dire une carte événement, pas un joueur. Donc c'est vraiment super parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Soit faire du mal à un joueur, mais c'est bien précisé et ça vous devez le respecter, seulement si vous êtes vraiment un témoin. C'est-à-dire que l'assassin ne pourra pas se servir de cette carte pour faire des dégâts. Là par contre, si vous êtes un témoin, vous faites défausser l'adversaire et vous lui infligez 9 blessures. Donc 9 blessures, ça veut dire... Oups, pardon. Ça veut dire qu'il va forcément passer en last gap. C'est donc un joker dans les deux cas. Même si vous êtes assassin, vous n'allez pas vouloir mourir à cause d'une opposition, donc vous pouvez vous en servir pour vous débarrasser de l'opposition, ou ça peut vous permettre de vous sauver la peau si vous êtes un témoin, sachant que, là encore, n'oubliez pas, vous avez le choix à chaque tour d'avancer ou pas. Si vous vous éloignez trop des cabines téléphoniques, parce que clairement il n'y en a pas partout, si vous êtes ici, le Call in a Hit, eh ben, c'est cuit, puisque la cabine la plus proche est à 2 cartes. Alors c'est en train de devenir une tradition, je fais une petite coupe, quelque chose qu'enregistrer après, que je vais rajouter. Deux points très très importants que j'ai oubliés, et ce serait vraiment dommage. La première, c'est que l'édition Kickstarter, donc, qui est celle disponible à la précommande pour l'instant, contient de nombreux modules, non seulement des modules pour 3 joueurs, mais aussi des modules qui permettent d'enrichir encore les parties à 2 joueurs. On le voit ici, en vous donnant un personnage finalement, qui va être composé de 2 cartes différentes, donc les personnages sont générés aléatoirement, et ça va vous donner des bénéfices, des inconvénients, et ça va vous proposer d'enterrer des cartes, de sacrifier des cartes pour obtenir des bonus.
Donc ça, c'est assez chouette. L'autre point qui est vraiment important, surtout si vous, bah, si je vous ai convaincu finalement de vous attaquer à Mantis Falls, c'est qu'évidemment, il y a une courbe d'apprentissage qui est énorme, dans le sens où quand vous connaissez les cartes, vous bluffez forcément mieux. Si vous savez un petit peu ce qui peut sortir sur les cartes événements, dans le deck ici, les rencontres, les etc. Si vous tirez une carte, rien ne se passe, qui est une carte unseen, vous allez pouvoir meubler de manière crédible. Alors qu'au début, bah, c'est difficile finalement d'inventer une carte qui existe vraiment, d'être crédible, de savoir à quoi s'attendre quand on arrive sur la night ou sur le dark, savoir à quoi s'attendre dans ce qu'on va piocher, dans ce qui a été pioché par l'adversaire. Donc il faut pas... Il faut aller de manière assez candide dans sa première partie, même ses 2-3 premières parties, en se disant que bon, on va juste jouer un jeu de bluff, quoi, avec beaucoup de hasard. Au début, il y aura beaucoup de hasard. Mais au fil du temps, quand vous allez commencer à connaître le deck, le jeu, c'est un jeu qui, paradoxalement, va gagner en rejouabilité quand vous allez finir par le connaître. Parce que là, vous pourrez vraiment bluffer. Là, vous saurez que l'adversaire, s'il a pioché ça ou s'il dit ça, c'est qu'il va cacher ça. Et vous pourrez, de manière plus fine, finalement, essayer de faire une prédiction sur l'identité de l'adversaire. Voilà, il ne faut pas vous limiter à... En tout cas, trouver le jeu limité, parce que la première partie, bah, c'était juste du pif, il avait plein de cartes blessures, il était assassin, donc il a gagné, oui, d'accord. Mais la prochaine fois, quand vous arriverez à comprendre un petit peu ses mécaniques, quand vous verrez où il va en venir, parce que vous savez quelle carte il a en main, ou pourquoi il utilise telle carte, là, vous pourrez contrer ses plans d'assassinat. Voilà, donc, courbe d'apprentissage, c'est très important, et j'en reviens à la conclusion que j'ai faite donc tout à l'heure. Voilà, la présentation est faite, je pense qu'il n'y a même pas besoin de conclusion, puisque j'ai suffisamment exprimé à la fois mon engouement pour ce jeu, hein, que j'attends avec grande impatience, et puis pourquoi finalement, pourquoi il était si bien. C'est le seul jeu, à ma connaissance, d'identité cachée à 2 ou 3 joueurs qui fonctionne aussi bien, puisqu'il est prévu pour un nombre de joueurs aussi réduit. Je pense qu'il prend tout son sel avec des gens que vous connaissez bien, c'est-à-dire avec votre conjoint, votre conjointe, ou des gens de votre famille, parce que peut-être que vous connaissez mieux leur façon de bluffer. Il est aussi intéressant pour avoir essayé avec des gens que vous connaissez moins, des partenaires de jeu, occasionnellement dans un club, ou des amis qui ne sont, enfin des camarades qui ne sont pas très proches de vous, parce que là, vraiment, vous êtes dans la situation rêvée que vous propose le jeu, c'est-à-dire vous êtes avec un inconnu sur une route alors que le soleil se couche. Les deux sont vraiment appréciables pour des raisons différentes. Je vous conseille d'essayer les deux. Je vous recommande vraiment d'essayer ce mode Tabletop Simulator. Je reconnais que le livret n'est pas très... Il n'est pas trop mal fait, mais il n'est pas très attirant. L'avantage, c'est qu'avec cette vidéo, vous êtes vraiment prêt à jouer. Hein. Vous aurez juste éventuellement à consulter quelques points de règles, mais vous avez l'essentiel. Essayez-le vraiment, parce que c'est... avec une petite musique type BO de Peaky Blinders derrière, une lumière tamisée, vraiment, c'est un jeu avec lequel vous allez vous régaler, c'est pas très long, ça part vite en vrille, et quand ça part pas en vrille, de toute façon, quand vous arrivez dans la partie dark, la plupart du temps, vous êtes complètement, vous êtes tous les deux très blessés, et donc très tendus. Hein. C'est à faire, c'est à essayer, faites-le, il est encore disponible dans quelques boutiques, si vous êtes intéressé, demandez-moi en commentaire, je vous donnerai les liens de boutiques qui proposent de la précommande. Je vous souhaite, du coup, de belles parties de Mantis Falls pour cette semaine, et je vous dis à très bientôt.